À quel moment est-ce que tu trouves le nom de la bière? Ah, alors, j'avais dit dans ma gamme de bières que jamais je ferais de jeu de mots sur mes bières pour trouver des, enfin pour les noms. Mais au fur et à mesure, j'ai quand même un petit peu pris des jeux de mots pourris. Non, alors pour résumer un peu les bières, genre la T carré, donc THI avec un carré. Ça, c'est parce qu'en fait, Daniel Thirier, quand j'ai démarré la brasserie, m'avait toujours dit enfin, quand tu feras tes premiers brassins, je veux venir. Et il est venu au troisième brassin et je lui ai montré la recette que je voulais brasser. Il a trouvé super intéressante et je dis j'ai pas de nom pour cette bière, comment je pourrais l'appeler? Il m'a dit Titi, j'ai dit non. Donc j'ai dit Ticaré, c'est rigolo parce que c'est Tibor et Thirier. Après je vais avoir jeu de mots pourri, je vais avoir la Palisse, donc la pale is, parce que c'est une pale, donc une blonde, et parce que je l'ai brassée à Palisse, donc voilà. J'avais la Tibor, c'était une bière que je brassais quand j'étais en brasserie, enfin brasseuse nomade. Donc celle-ci, je la brassais dans le nord et elle s'appelait Before Tibor pour indiquer que j'allais installer ma brasserie. Et j'avais la Before Sensen parce que je l'avais brassée en Seine-Saint-Denis chez Grand Paris. Et j'avais la Before Ensoleillée parce que c'était, je la brassais chez Benoît de la Pleine Lune à Valence, donc là où il y a le soleil. Donc ça, c'était des noms D'accord. que j'ai trouvés un peu en fonction des endroits où je les brassais. Et puis après, le reste, le nom vient. Isa, je l'ai brassée avec Dorothée Van Act. C'était une India Session Ale, donc ISA. On n'est pas allé chercher bien loin. On a trouvé que ça sonnait bien pour une. Le porteur, je l'ai appelé Harry, pour faire un jeu de mots Harry Porter. Et ça, c'était, je crois que c'était le moment où je la brassais, où elle devait être en fermentation. Et j'avais eu l'idée hein, de l'appeler Harry parce que ça me faisait rire le jeu de mots. Et c'est mon copain qui me dit, tu vas l'appeler comment le porteur? Je dis, je sais pas. Il me dit, mais pourquoi on l'appellerait pas Harry? Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, si on est deux à avoir une idée pourrie comme ça, C'est que ça peut ça veut dire qu'elle marcher. est bien. Non, j'ai le Perle Arbor, c'est parce que je l'ai brassé avec le Perle Amer, donc c'est un mélange des deux. Enfin voilà, c'est un peu des noms, je les trouve selon l'envie. C'est sympa en fait de choisir un nom de bière. Enfin, j'aime bien. Là, justement, je cherche celle que je brasse aujourd'hui, le nom. Je vais trouver quoi. Enfin, c'est selon l'humeur, on va dire. Alors après, j'ai des graphistes qui sont super, donc ils me font une gamme, puis ils me font des belles étiquettes qui vont bien avec le nom, donc c'est cool.